Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer l'exploration des VST de chez Pulsar et on va découvrir le Massive. C'est un equalizer qui va être la reproduction de l'EQ Massive Passive. C'est un excellent equalizer et une très belle reproduction. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens directement dans la description. Maintenant, vous commencez à être habitué et à connaître la chanson. Et si vous voulez m'offrir un petit café, il y a un petit lien PayPal direct dans la description. Pour avoir les informations sur l'equalizer Pulsar Massif, il vous suffit d'aller directement sur le www.pulsaraudio. Ensuite, dans les produits, vous sélectionnez le Massif et vous allez arriver sur cette page. Le VST va être au prix de 149 €. Il va fonctionner sur toutes les dos du marché. C'est un excellent equalizer qui va être orienté mastering avec des courbes réellement douces. Pulsar, bien sûr, a amélioré l'émulation d'origine, puisque si on prend l'equalizer tel qu'il a été créé par Manley, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Donc on a uniquement les boutons, on va avoir différents types de courbes, on peut faire du low shelf, on peut faire du shelf façon Pultec, et on va avoir différents types de Q, de très large à relativement serré. Bien sûr, quand je dis serré en parlant d'EQ passif, tout est relatif. On va avoir un Q qui va être légèrement plus resserré, mais la courbe va rester quand même relativement musicale. Donc le son va être vraiment particulier. On va avoir la possibilité de choisir avec cet equalizer deux différents étages de transformation pour pouvoir ajouter du drive et donc de la saturation harmonique. Ça va être fait de façon relativement subtile. Le VST est réellement intéressant et c'est vraiment un petit must, surtout si vous mixez comme moi in the box. C'est-à-dire qu'en fait, en n'utilisant que des plugins, ça vous évite d'investir dans un equalizer passif qui va coûter réellement cher. Donc www.pulsaraudio et vous allez avoir toutes les informations. Bien sûr, vous retrouverez les VST Pulsar directement sur le site de Plugin Boutique ainsi que le Pulsar qui va être au même prix que sur le site et vous allez avoir toutes les informations comme ça. Si vous avez un compte, vous pourrez en profiter. Vous retrouverez les liens affiliés directement dans la description, ce qui vous permettra d'acheter vos VST tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Pour info, l'EQ de chez Manley, le Massif Passif, coûte quand même environ 6 200 €. Donc ça fait quand même une sacrée somme. Je pense que 150 € pour un equalizer pour le mastering, ça reste relativement raisonnable. Maintenant, on va aller voir ça dans une petite session directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve dans la session Studio One où j'ai pris un petit morceau qu'on va s'écouter déjà sans les effets, donc sans l'equalizer, et ensuite on va regarder ce que j'ai fait sur le son. Maintenant, si je rajoute les effets, ça va nous donner ceci.
fait, pour en arriver là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement mis mon bus compresseur SSL pour pouvoir contrôler la dynamique du son au départ. Ensuite, je suis passé directement dans l'EQ Pulsar. Après, j'ai mis le Oxford Inflator. Et pour finir, je suis passé sur le petit limiteur de Studio One, tout simplement. Donc ça reste un petit master très simple pour une instrumentale, mais le but étant de voir un peu les fonctions du Pulsar. Donc si on fait un petit tour du propriétaire, on va avoir sur la ligne du haut le petit logo Pulsar, un undo, un redo. Ça reste traditionnel par rapport au VST de chez Pulsar. Ensuite, on va avoir différents types de presets suivant qu'on mette l'equalizer sur des basses, guitare, keyboard, kick, master, overhead, snare. Ensuite, on a template. Donc, pour remettre l'equalizer à zéro, ça va être passive balance. Ensuite, on a les templates user et des templates pour les voix. Et enfin, on va avoir différents réglages faits par des ingé-sons directement disponibles. On va pouvoir renommer chacun des presets une fois qu'on les aura modifiés suivant le son. Et enfin, après, on va avoir la sauvegarde, sauvegarder sous pour pouvoir renommer un preset qu'on a transformé. La possibilité de faire une comparaison entre un preset A et un preset B, la possibilité de mettre que l'equalizer au niveau de l'afficheur, que la section afficheur, et de pouvoir manœuvrer directement les points à la souris. Le Q va être réglable directement avec la molette de la souris, et si on reclique une troisième fois, on se retrouve avec l'afficheur plus l'equalizer. On a la possibilité d'écouter l'oreille droite ou l'oreille gauche, de faire bien entendu du mid-side et de lier l'oreille droite et l'oreille gauche. Mais on peut aussi faire du dual mono, c'est-à-dire qu'on peut faire un réglage d'équalisation pour l'oreille droite, un réglage d'équalisation pour l'oreille gauche, tout en restant en stéréo. Ensuite, au niveau des différents points, donc en ce qui concerne chacun des points, on va avoir le choix entre un shelf et une bells à chaque fois, et après on va utiliser le sélecteur soit pour faire un shelf traditionnel en étant complètement sur la gauche, ou alors on va pouvoir faire un shelf façon EQ Pultec en étant directement sur la droite. Ensuite, on va avoir le sélecteur de fréquence pour choisir sur quelle fréquence on va travailler et le bouton gain. Chacun des points va pouvoir être éteint ou actif. Il va avoir son interrupteur pour chaque point. Ensuite, directement, les différentes parties du son sont nommées, c'est-à-dire qu'on a le low, le warm, le présence et le R en ce qui concerne les aigus pour chacune des oreilles, ou alors pour le mid et pour le side. Dans la partie centrale, on va avoir un bouton pour le drive qui va être dépendant du transformateur que vous allez utiliser, soit le 1, soit le 2. Donc ça va vous apporter plus ou moins de saturation en fonction du réglage que vous allez choisir. Ensuite, on va avoir les deux potentiomètres de gain. Bien entendu, on va avoir aussi le petit switch auto-gain pour avoir un gain automatique et ne pas être induit en erreur par les hausses de courbe et donc par le fait que le volume soit plus fort. On va bien entendre ce que fait directement l'equalizer sur le son. Et bien entendu, comme sur le Pulsar 8200, on va avoir ici la petite barre bleue qui va nous indiquer quand on est au-dessus ou en dessous du son pour pouvoir gérer le niveau si vous le faites en manuel, ou alors vous laissez l'equalizer faire en vous mettant directement en autogain. Ensuite, on va avoir un low pass et un high pass filter.
Donc là, on a fait à peu près le tour. Au niveau des courbes, donc si je prends par exemple le point numéro 1 qui est ici, là, on va avoir le point le plus serré qu'on peut avoir, et ensuite le point le moins serré, donc on va être littéralement en flat, si on se remet à zéro. Voilà. Donc ça vous donne un aperçu des courbes que l'on peut faire. On reste vraiment dans du relativement large, des pentes très douces. Donc là, on n'est pas là pour faire du chirurgical. L'écran, bien entendu, va s'adapter. L'afficheur peut être en fast ou en slow. Et là, je me suis mis en infinite spectrum, ce qui fait que l'écran s'adapte automatiquement quand je monte ou quand je baisse le gain. Et si on double-clique sur le bouton, on revient à zéro. D'accord? Donc là, je remonte, je resserre. Et si je me mets en shelf, ben là, en étant complètement à droite, je vais avoir un shelf avec la petite curve ici en bas, type Pultec, ou sinon, je vais avoir directement un shelf traditionnel. Donc là, vu qu'il y a le filtre qui est en fonction, voilà. Donc là, on a bien le shelf qui est totalement traditionnel, qui va me faire un plateau. Et ensuite, ça va dépendre de où on se place. J'ai mon point numéro 2. Si je continue, voilà. Donc ensuite, il faut jouer avec les différentes possibilités pour pouvoir créer les courbes que vous avez envie. Pour pouvoir moduler votre son. Donc là, j'avais ce réglage-là pour le son. Si je vais sur le preset B et que je me mets en flat, on va entendre la différence. Sont relativement doux, mais ce que ça peut apporter sur le son, ça peut être relativement puissant. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'écrêtage. Si vous faites un boost dans les basses, forcément ça va se répercuter sur le niveau sonore et donc faudra ensuite gérer avec le gain. Là, dans mon réglage d'origine, j'avais pas mis de drive, donc normalement, je suis sur off, ça me donne quelque chose comme ça. Encore un peu trop de basse.
Maintenant, si je rajoute du drive et que je mets le transfo en marche, si j'y vais à fond, forcément, ça va vraiment crader le son, on va avoir sa tension à la basse. Donc ça utilisé avec parcimonie. Et bien sûr, suivant le transfo, on va avoir une saturation différente. L'autogain, ce qui fait que là ça va réguler directement le son en fonction de la courbe que vous avez fait. Vous voyez, c'est un excellent equalizer avec des courbes relativement douces, mais avec lequel on peut faire pas mal de choses, faire de la mise en forme, on peut vraiment sculpter le son pour avoir un excellent rendu. Ensuite, c'est comme tout, faut pas en abuser, faut vraiment faire, vu que les courbes sont relativement larges, faut vraiment faire juste ce qu'il faut, parce que sinon on part dans la surexploitation, hein, quand on voit par exemple, rien que le boost sur les basses, si je pars de 0, hop, je vais me remettre à 0.
permettre d'avoir un excellent rendu. Donc voilà pour ce qui est du massif de chez Pulsar, un excellent equalizer, que ce soit pour le mix comme le mastering. Grâce à ses courbes assez douces, on peut vraiment arrondir le son, lui donner des aigus plutôt crémeux. Ça va éviter d'avoir des fréquences trop hard au niveau de la partie aiguë. Ensuite, au niveau des basses, faut quand même faire attention. Et en ce qui concerne les médiums, on va avoir des médiums assez soyeux. Après, derrière, il y a juste à mettre de quoi booster le son et on se retrouve avec une petite instru qui va sonner relativement bien très rapidement. Donc si je remets l'equalizer en vue avec le réglage que j'avais fait, je vais juste baisser un petit peu ici et ça nous donne ceci. À 0. Cette présentation du Pulsar Massif. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Comme vous avez vu, c'est vraiment un outil qui est très bien fait avec de très belles courbes pour qu'on puisse vraiment sculpter le son, lui donner le polish final grâce à cet equalizer et à ses courbes. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut!